Avant-hier, place de la République, je planais vers les 5h du soir, quand une petite femme très sympathique glisse et tombe devant moi sur le trottoir. Empressé, je me précipite afin de l'aider de mon mieux, mais elle se relève tout de suite et s'en va baissant les yeux. J'ai entrevu que son mollet, oh quel effet que ça m'a fait. Je me dis si le reste est aussi bien, c'est que ça doit être mon chien. Elle prend le boulevard Magenta jusqu'au coin de la rue Lafayette. Elle file la rue Lafayette jusqu'au coin de la rue Chauchat. Elle enfile la rue Chauchat et devant le 123 elle s'arrête. Sans m'apercevoir, entre dans le couloir. Moi je restais sur le trottoir. Le lendemain, en quittant ma demeure, je vais me poster au même endroit. Elle arrive juste à la même heure et sourit dès qu'elle m'aperçoit. En lui rendant son sourire, je me dis je crois que ça va très bien. À côté d'elle, sans rien dire, je suis le même chemin. On se parlait pas, on se regardait, tous les deux on se comprenait. Je pensais que le silence était longtemps et qu'il a dit mon consent. On prend le boulevard Magenta jusqu'au coin de la rue Lafayette. On suit la rue Lafayette jusqu'au coin de la rue Chauchat. On enfile la rue Chauchat et pour 123 on s'arrête. On s'essuie les pieds, on grimpe l'escalier et l'on s'arrête au premier. 2 heures après, je sortais de chez elle, radieux, le cœur tout réjoui. En baleine, pensant qu'à ma belle, je croyais quitter le paradis. Mais quand je fus dans la rue, un monsieur va m'accoster et me dit d'une voix émue, je crois que vous venez du premier. Si j'avais pu vous voir avant, puis mystérieusement, il me dit tout bas, oh qu'est-ce qu'elle a. Ah monsieur, n'en doutez pas. Je reprends la rue Chauchat jusqu'au coin de la rue Lafayette. Depuis la rue Lafayette jusqu'au boulevard Magenta. Descends le boulevard Magenta, chez un pharmacien je m'arrête. Je lui dis voulez-vous me donner pour 6 sous. Je ne suis pas tranquille du tout.